Hola mis amores, comment están todos? Aujourd'hui je suis hyper contente parce qu'on va faire un haul sur les tenues que j'ai achetées para irme para México. Non sincèrement les filles, je suis trop enjaillée, j'ai toujours voulu aller au Mexique. Ça faisait vraiment partie des pays que je voulais visiter, tout simplement parce que j'aime bien leur culture, j'aime bien leur nourriture et j'adore leur tequila. Donc là, je vais pas rigoler, je vais me l'envoyer. Sans oublier qu'il faut consommer l'alcool avec modération, car l'abus d'alcool est dangereux. Du coup, voilà, je me suis dit, Janissa, il faut que tu leur fasses un petit haul hein, dans le thème Tulum, Playa del Carmen, Cancún, ya ustedes saben. J'ai trouvé pas mal d'articles chez PLT et Zara. Du coup, on va faire un essayage de tout ça et on se retrouve à tout de suite. On va commencer avec les articles que j'ai commandés chez PLT avec cette jolie longue robe moulante. Voilà, comme vous pouvez voir. Donc là, elle est un peu. Des petits motifs marron, beige, crème, tout ça. J'aime trop comment la robe me va. La qualité, vraiment, elle est bien. Elle est bien la qualité. Elle se marie super bien avec ma silhouette. Le seul petit bémol, c'est que au niveau bah, du coup de ma poitrine, mais ça je m'en doutais, hein, sincèrement je m'en doutais. C'est que ça peut tomber si je fais pas attention. Donc je pense que je vais vraiment opter pour le petit scotch, là, les petits patchs. Voilà, les patchs qu'on met pour du coup que ça tienne au maximum pour que mes seins fassent coucou au public. Mais sinon, à part ça, elle est trop jolie. J'ai pris la taille, attends, je vous dis ça. J'ai pris la taille 40. Je l'ai pris dans la catégorie shape, voilà, pour les femmes. Avec des formes. Donc cette robe là, en soirée, en journée, ça peut grave le faire. Ensuite, regardez cette bombe de robe. Je kiffe. Vraiment, c'était mon coup de cœur, cette robe rouge là. Cette robe rouge, c'est vraiment l'article à avoir dans sa valise à emmener avec soi pour l'Amérique latine. Parce que ça fait trop. Je sais pas, je me vois trop mettre la robe là et qu'on m'appelle Maria. Je sais pas pourquoi. Avec le petit. Le petit voile à la fin, tout ça, j'aime trop, c'est trop beau, c'est trop cute. Vraiment, ça, je vais la mettre en soirée. Voilà, dernier make-up, petite coiffure, tout ça. Sincèrement, si j'arrive pas à faire une bête de photo avec cette robe, je sais pas. Parce que vraiment, cette robe, ça a été l'un de mes coups de cœur. Elle est juste sublime. Ici aussi, je l'ai pris dans la catégorie shape en taille 40. Ensuite. Passons à cette jolie combinaison de couleur pierre gris hein, en jambes évasées. Celle-ci, je ne l'ai pas pris dans la catégorie shape. Je l'ai pris dans la partie combinaison. C'est vraiment agréable de porter ce genre de combinaison en vacances parce que c'est fluide, c'est léger, c'est pratique, c'est simple et c'est tout ce qu'on recherche. De la fluidité, quelque chose de simple et qui fasse l'affaire. Ensuite, passons au troisième article, toujours de chez PLT. Donc, c'est une combinaison plissée de couleur champagne. Regardez la couleur. Elle est juste magnifique, la couleur. J'aime trop. C'est la première fois que j'achète un article de cette couleur, sincèrement. Au début, j'ai galéré à le mettre parce que je comprenais pas comment il fallait que j'enfile le début. Mais vraiment, le rendu, j'aime bien. En fait, c'est pratique quand après, on trouve comment le mettre. Je trouve que ça fait classe. C'est bien pour aller manger au restaurant le soir. Sincèrement, rien à dire. La matière, elle est bien. La qualité est bien. Je l'ai pris en taille 40 et je ne l'ai pas pris non plus dans la catégorie shape. J'ai tapé sur la barre de recherche combinaison aussi. Et voilà, je suis tombée sur... Sur ça, j'ai bien aimé. Donc sincèrement, si vous aussi vous partez en vacances et que vous cherchez des combinaisons qui fassent sexy en même temps classe, sincèrement, foncez. Et en plus, ça va sur les peaux mates. Je pensais pas que ça allait trop aller, mais en fait, ça va. Sincèrement, ça va. Je suis pas déçue. Ensuite, passons au dernier article de chez PLT. Donc c'est une longue robe de couleur blanc cassé en maille à crochet. Voilà, elle est juste ouf ici, mais sauf que elle est trop grande. Elle est trop grande. Pour moi, c'est dommage. Donc, c'était vraiment pour le mettre avec un maillot de bain à l'intérieur. Et pourtant, j'ai pris la taille M.
je regarde pour si je me suis pas trompée. Oui, j'ai pris la taille M. Là, j'aurai pas le temps de la changer parce que comme je pars dans la semaine, si Dieu veut, bah, j'aurai pas le temps de la changer. Mais cette robe, vraiment, elle faisait grave dans le thème Tulum. Sincèrement, Tulum, c'est ce genre de robe. Quand je vois sur Instagram, tout le monde a des genres de vêtements en maille, dans les couleurs blanc cassé, crème, tout ça et tout. Du coup, ce que je peux vous conseiller, c'est de prendre, si vous commandez cette robe-là, c'est de la prendre en taille S. Parce que même si vous faites du M, prenez-la en plus petite parce qu'elle taille vraiment grande. Ensuite, on va poursuivre avec les articles que j'ai achetés chez Zara avec ce joli top. Sincèrement, il est trop mignon. J'adore les tops comme ça. J'en ai pas mal chez plusieurs marques différentes. C'est vrai que j'aime bien parce que c'est simple, efficace et c'est joli, sexy à la fois. Du coup, je l'ai pris en taille L et il m'a coûté 12,95€. Vraiment, j'aime bien parce qu'on peut le porter avec tout. Un jean ou un pantalon, avec une jupe. Ça va avec tout. Et du coup, je l'ai mis avec ce pantalon-là que j'ai acheté aussi à Zara en taille L. La couleur est trop belle. Regardez. La matière, elle est bien. D'habitude, je mets du M dans ce genre de matière-là. Mais là, il me fallait du L. Le M, c'était trop serré. C'était trop serré pour le coup. Donc, j'ai pris du L. Donc, voilà. Déjà, j'ai une première tenue qui est prête. Ensuite, passons à la deuxième tenue. Regardez ce pantalon comme il est juste... Waouh. La couleur, j'aime trop. Vraiment, le vert aussi, j'en porte pas souvent. Depuis l'année dernière, j'ai acheté pas mal d'articles... de couleur vert. En plus, je trouve que c'est vraiment tendance actuellement dans tous les magasins. Il est pris en taille M, voilà, à 19,95€. Il est évasé aussi en bas. Et sincèrement, j'aime vraiment. J'aime vraiment comment il rend sur moi. Surtout accordé du petit haut en violet. Vraiment, il est trop, trop cute. Trop cute. Celui-là, je l'ai pris en taille L. Et ça se marie super bien avec le pantalon. Ensuite... regardez ce pantalon, comment il est juste trop beau et trop dans le thème, en mode Tulum. J'aime vraiment. Celui-là aussi, il est évasé. Et j'ai pris que des pantalons évasés parce que à Zara, les pantalons droits en général, ça me va pas trop. C'est trop serré au niveau des jambes, ça rentre pas. Donc il me faut des pantalons fluides et un peu évasés. Et vraiment, j'aime trop les motifs du pantalon. C'est même la couleur, vraiment ça fait vraiment dans le thème de mes vacances. J'aime beaucoup. Celui-là, je l'ai pris en taille L et il est à 19,95€. Vraiment, ça me va bien. Sincèrement, ce pantalon, il me va trop bien. Je sais pas si vous ça vous fait ça, mais parfois il y a des pantalons que quand vous allez le mettre, on dirait que vous n'avez pas de ventre. On dirait votre ventre est plus plat que d'habitude, je sais pas. Et sincèrement, avec ce pantalon-là, ça me fait ça. J'ai l'impression que mon ventre, il est plus plat. Je ne sais pas si c'est comment c'est dessiné, comment si c'est la matière, je ne sais pas. Mais en tout cas, la manière, comment ça me va, le rendu de ce pantalon sur moi, est juste incroyable. Ensuite, passons avec cette jolie longue robe de couleur violette. Vraiment, sincèrement, j'aime trop. J'aime trop en fait le violet, comment ça rend sur les peaux mates. Avant, j'aimais pas trop, je mettais pas trop de vert, de violet. Et c'est vrai que j'ai une copine qui a adoré le violet. Elle me dit, mais Janissa, tu devrais essayer de porter plus de violet parce que ça tirait super bien. Et j'ai commencé à acheter des articles de cette couleur-là. Je m'en passe plus, j'adore. Et en ce qui concerne cette robe, la robe, elle est juste hyper confortable. La qualité, elle est propre de fou. Elle est vraiment bien. Donc cette robe, je compte la porter en journée pour me balader avec des jolies petites sandales. La robe, je l'ai prise en taille M à 19,99€. Et sincèrement, je suis contente de cet achat. Passons au dernier article. L'une de mes préférées. Sincèrement, cette robe-là, c'est l'une de mes préférées. J'aime trop. Elle est de couleur vert kaki. Et sincèrement, elle est juste waouh. Elle est vraiment oufissime. Je l'ai prise en taille L. Et elle m'a coûté 39,95€ par contre. Voilà, 40€ cette robe là. En plus de ça, elle est longue. En plus pour moi c'est génial parce que j'adore porter les robes longues. Parce que bah, du coup j'ai des longues jambes et je préfère. Je trouve que ça me va mieux et que ça m'élance mieux déjà. Tout simplement. Donc voilà, la matière elle est un peu épaisse. Voilà, elle est un peu épaisse.
Mais ça va, ça va. On peut la porter, si, on peut la porter en été. Donc, il y a pas de souci. Donc, vous n'allez pas avoir trop chaud non plus avec ça. En plus de ça, vous pouvez la porter avec des sandales en journée ou avec des talons en soirée. Sincèrement, cette robe, il faut vraiment l'avoir avec soi pour partir en vacances. Parce qu'elle est juste incroyable. J'aime trop cette robe. Voilà les filles, c'était le dernier article de cette vidéo. J'espère que ce petit haul vous a plu. N'hésitez pas à me donner votre avis en commentaire. Je mets toutes les informations et les liens des articles en barre d'infos. N'oubliez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube si ce n'est pas encore fait. En attendant la prochaine vidéo, les digo hasta la prochaine et besos a todos.